Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, nouveau tour de magie expliqué, réservé aux membres premium cette semaine. Vous allez voir une routine d'assemblée mais revisitée. C'est plutôt cool et pas très compliqué à réaliser. Comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudront l'explication, le lien sera dans la description. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu qui soutient la chaîne. Et vous pouvez également me retrouver sur l'école de magie, tutomagie.com, et également tous les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. Sur ce, c'est parti pour la démo. C'est parti pour la démonstration et pour ce tour, j'ai sorti au préalable les 4 as qu'on va laisser sur la table et un jeu de cartes qu'on pourrait donner à mélanger par le spectateur. Il n'y a aucune préparation à ce niveau-là. On va avoir besoin de 12 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 12 cartes comme ceci qu'on va mettre tout simplement face en l'air et on va mettre nos as dessus comme ceci. Le reste des cartes, on n'en aura pas besoin. Et en fait, je vous explique, parmi les as, hein, l'as le plus important, c'est l'as de pique. C'est l'as leader en général dans n'importe quel jeu de cartes. L'as de pique, il est beaucoup plus travaillé. On le met toujours à part, c'est notre as leader. Parmi les autres as, ici, donc les trois autres qui restent, on va les positionner juste ici sur la table. Voilà, bien en vue, face en bas, comme ceci. Et on va prendre notre as leader qu'on va lui aussi mettre face en bas, comme ceci. Et on va distribuer des cartes face en l'air sur nos cartes face en bas, donc sur les as qu'on a laissés sur la table comme ceci, à chaque fois, nettement. Et croyez-le ou non, comme je vous l'ai dit au départ, n'oubliez pas, l'as de pique, c'est l'as leader. Ça fait que si on tape sur nos petits paquets où on avait laissé nos as, croyez-le ou non, mais les autres as rejoignent l'as leader. Et bien entendu, tout peut être laissé à l'examen, il n'y a absolument rien à voir.